Salut tout le monde, salut YouTube, bienvenue sur Resident Evil 4 Remake. Ce soir, on va terminer le jeu, c'est terminer le jeu. Je vais commencer ce soir par le chapitre 14, parce que c'est le chapitre qui nous attend. Hop, let's go. Léon et Ashley sont à nouveau réunis sur cette île contrôlée par la secte. Mais ils n'ont plus beaucoup de temps. Les parasites dans leur corps continuent de se développer à une vitesse terrifiante. Non. Tu vois la vision floue. Merci. T'as apporté le médicament à temps. Tu peux te lever. Où est Louis? Il était inquiet pour toi. Jusqu'au bout. Allez. Le temps presse. Il faut qu'on se débarrasse de ces trucs. Pour Louis. Ouais, c'est cool. Ada, réponds. Il y a un labo où on peut éliminer ces parasites. Et quelque chose me dit que tu sais où il est. Les installations les plus importantes sont dans leur sanctuaire au sommet de la montagne. C'est là que j'irai. Ada, les bons tuyaux. Ravi de t'aider. À charge de revanche. Minerai de cristal, c'est nouveau ça. Alors, note d'un chercheur en captivité. On nous a enfermés sans prévenir, un à un, nous sommes conduits dans la pièce d'à côté, je ne sais pas ce qu'il se passe. Ils viennent d'emmener Annabelle, je suis servant le prochain, il faut que je réfléchisse, je te garde la tête froide. Toutes les personnes infectées par le plagas sont à la merci de Lord Fadler. S'il leur donne, ils travailleront jusqu'à la mort avec un sourire sur le visage. Le problème, c'est que l'autre devient si simple d'esprit qu'il ne peut pas être utilisé pour des tâches complexes. Cependant, nous sommes parvenus à développer une nouvelle espèce supérieure de plagas. Celle-ci n'a pas de mutation particulière, mais elle présente l'avantage de ne pas diminuer les fonctions cognitives de son hôte. Apparemment, il prévoit d'injecter cette nouvelle espèce dans la fille, car il est important qu'elle conserve ses facultés intellectuelles après l'infection. Tous les tests ont réussi, nous avons même prévu de lancer la production de masse à succès total, mais on m'a enfermé et on se prépare à m'injecter l'espèce supérieure dans la salle d'un côté. Annabelle n'est plus elle-même, son sourire a complètement disparu, elle qui était pourtant si heureuse. Écrire la seule chose qui l'empêche de devenir fou, même si personne n'ira jamais ceci. Écoute, j'ai trompé mon ami. Bon, à mon avis, il va falloir avancer. Alors, je vais voir ce qu'il y a dans ces... Il y a des trucs à ouvrir ou pas. Un poisson, ça peut toujours servir pour le soin. On était pas mal niveau équipement quand même. Hein. Les cartouches de pompe, ça sera toujours ça de prix. Hop, on réoptimise notre inventaire. Parfait. Je vais utiliser le poisson tout de suite pour me soigner, comme ça je suis à fond niveau santé. Un petit peu d'argent. Alors attends. Est-ce qu'il resterait pas quelque chose là? Tu peux m'aider? Là, je peux pas aller par là, ok. Je la laisse là, c'est qu'il y a une raison. Ok, il n'est pas là. En tout cas, faudra revenir plus tard, je pense. J'ai mon idée que là, qui on va affronter. Bon, le sifflement, c'est bon.
aller? Bien sûr. Je compte sur toi. Il y a des trésors là en face de nous, donc on a déjà récupéré tous les trésors jusqu'à présent, on n'avait rien oublié. Bien joué Ashley. Tu m'étonnes. Pognon. Qu'est-ce ici? Encore du pognon. Il y a un coffre là, c'est quoi? Une coloration bleue pour Ashley et un jeton d'or. C'est du custom, bon c'est toujours agréable. Ah, il y a un stand de tir là, ça veut dire qu'il y a des choses à faire. Alors, chasse au trésor. Oh, destruction de médaillon 5. Si quelqu'un, à un moment, serait-il possible de réduire ses médaillons bleus en poussière, je sais que ça n'arminera pas le bon vieux temps, mais je ne peux pas laisser passer ça. Détruire tous les médaillons bleus dans le dépôt de conteneur, 5 spinels de récompense. Donc, c'est pas ici encore. Ah, notre ami le marchand. Oh, mais attends, il y a un tonneau, là, je l'avais pas vu. De la tunasse, de la tunasse, encore de la tunasse. Là, il n'y a rien. J'ai quelques nouveautés en stock. Là, c'est le champ de tir. Bon, déjà. Bienvenue. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Alors, la clé à molette, est-ce que je peux la dégager? Oui. La carte d'accès, je peux la dégager aussi. Okay. Bienvenue. Le lingot d'or, le minerai de cristal, la couronne, déjà tout ça. Que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Couteau de botte, je vais jarter. Eh, pas mal, 137 000. Oh, je suis prêt à payer un bon prix pour ça. Restaurer la... Être méticuleux jusque dans les moindres détails, c'est le secret. Jamais en l'absence d'une fusil à fond. C'est un travail qui demande de la finesse, étranger. De petits ajustements peuvent faire toute la différence, tu verras. On commence à bien cerner tes goûts, étranger. Géant, reviens. Quand tu veux, surtout. Voilà. Ah, je peux pas le viser. Bon, on va voir un peu ce qui nous attend au champ de tir. Let's go. C'est du bonus, mais il y a quelques succès à la clé, j'ai envie de les faire. Il en reste deux, normalement. Pour le chantier, je parle. Eh bah, c'est ce qu'on va voir. Ah! Coût de réparation du gilet, moins 30%. Et j'avoue, ça c'est un truc classe. Bon. Une carabine te permet d'éliminer plusieurs cibles d'un seul coup. En revanche, alors, on a la 4A, donc il faut faire 9000 points. Pas de conditions bonus. On ne connaît pas encore les conditions. La deuxième au lance-carreau, 6000 points. Donc c'est qu'il y a un truc avec le lance-carreau. Et la dernière, donc là, il faut utiliser toutes les armes disponibles. Black Tie, Stingray, Striker, TMP, 18000 points par contre. On va commencer au plus simple. Le Punisher, il y a un truc. C'est toujours. Bon, j'ai suivi une balle de pompe, ça m'emmerde, mais pas avec. Ouais,
Merde, j'ai raté mon coup, tant pis. Ah, dommage. Eh, hey, 38 sur 39 quand même. Hein. En fait, là où j'ai fait l'erreur, c'est la cartouche de pompe. Comme fréquence de création avec le fanatique et le bouclier. Bien joué, Léon. Ça t'a plu ? Ah, c'est... Ouais, mais c'est pas encore fini, meuf. Les cibles disparaissent au bout d'un moment. 3, 2, 1, allez ! Allez, mon... Toi, t'es un artiste, la vie. C'est sérieux ? Remarquable. Ouais ! 3 d'un coup ! Très, très bien. Le pistolet, je prépare. Bon, là, je me suis pas planté cette fois. Alors, ça donne quoi là? Merde. Alors, pompe. Dommage, je l'ai pas eu. Mais... Faire comment ? Il me reste 3 cartouches de pompe, là on est bon. Merde, j'ai raté mon coup. Pareil. Mais... Alors ça fait combien? Ouais, parce que j'ai fait du TK. Je m'attendais pas. 3, 2, 1, allez. Vas-y, Léon, je le tire. Superbe tir. Remarquable. Ouais, prends d'un coup. Vite. Bien. Pompe. Bah, je l'ai touché, non? Oh, il m'a pas compté la dernière, tu vas voir que c'est ça. Là, tu te moques de moi, le jeu. Bon, là, on est bon. Ah, zut. Pompe. Ah zut, j'ai fait trop de tirs. Utilise une mitraillette si tu veux te débarrasser. 3, 2, 1, allez. On va faire remarquable.
énorme. Sérieux? Triple. Double. Recharge. Et... pompe. Très bien. Ça c'est du spectacle. Fantastique. Alors je dois faire plus de 20. J'ai dû faire plus de 20 tiers, c'est ça? Déjà la moitié, on est bon. Alors attention ici. Voilà. T. Superbe tir, désolé, mais c'est une pénalité. Ou triple. Ou double. Ah, ah, ah. Ça c'est du spectacle. Non, là je fais plus de 20 tirs aussi. Sur tous les pirates en moins de 20 tirs ou moins ici. Il faut que je compte. Alors. 1, 2, 3. Alors ici. Mais. Raté. Triple. Il m'aurait fallu pour nous. Pas simple hein. Un fusil à pompe. 3, bon déjà 2, pistole pour commencer. 1. Allez, un. Oh, magnifique. 2. Là on est bon. Superbe tir. Pompe. D'un coup, génial. Triple. Recharge. On recharge le pistolet. On est bon. C'est la deuxième phase qui est un peu plus triquée. Que je disais. Voilà. Pompe. Très bien. Oh, je me plante là, attention. Très bien. Dommage. Et c'est fini. Il manquait plus grand chose. C'est 9000, on a dit. Hein. Faut y aller au pistolet, obligé. C'était énorme. Sérieux? D'un coup, génial. Voilà, c'est ça. Pompe. Double. C'est trop fort. Yes, c'est bon. Allez. Là, le jeu à la fin, il m'a dit stop.
Ok, rang S du 4A, ça c'est bien. Je crois bien que nous avons un pro de la cachette. Donc le 4A c'est bon. T'as fait ça toute ta vie, avoue. Après il doit vendre des armes plus 20%, ça pourrait être utile pour un truc. Alors, le lance-carreau, c'est 6000 points faciles. Jouer. Je pense qu'il faut un petit peu anticiper. Ok, vite la mine. On se fait tous les points, on est bon. Alors je pense qu'il faut mettre une mine là. Raté. Une cible, c'était tout à l'heure, c'était le tonneau. Donc c'est sûr, il faut lui mettre une un carreau au moment où il revient. 3, 2, 1, allez. Superbe tir. C'est là que la mine va être chiante. Parfait. Une autre mine là. Parfait. On avait dit au moins 6000. Oh, joli. Donc là, normalement, on a le rang S. Parfait. Bon, bah, l'arbalète, ça a été tout seul. Hein. Il nous reste plus que le 4C. Si tu comptes trop sur la même arme, tu vas vite te retrouver à court de munitions, l'ami. 3, 2, 1, allez! Allez, montre-leur! Alors toi, tu t'es trompé, ça ne te ressemble pas. Peut-être que j'aurais dû tirer au fusil, mais tu vas me dire. Bon, on tire dans le tas, les mecs. Le sniper là c'est obligé. Hop. Bon là c'est le pompe tout de suite. Ça c'est du spectacle.
T'en achètes combien? Je suis à 15 000. Ok, on peut encore mieux faire. Une carabine te permet d'éliminer plusieurs. 3, 2, 1, allez! Vas-y, Léo! Vite, là, c'est le sniper, c'est obligé. Encore une fois, c'est mon TMP, hein. Il manque son sniper. En vrai, je pense qu'en hauteur, les matelots là, ça me semble bien au TMP. Là, c'est le striker tout de suite. Merde, vite. Là, je me suis raté. Ça fait combien là? On se rapproche. Les cibles disparaissent. 3, 2, 1, allez! On va faire péter le score! Sniper. Dans votre rapport à Kaiser, bah écoute, j'essaie de faire le succès d'avoir tous les champs de tir au rang S. Il me reste, je suis sur le dernier, je galère un petit peu, mais ça va. Vite. Oh, magnifique. Alors, sniper. Oh zut! Bon, là c'est le striker tout de suite. Bon, je fais combien? Ah, il manque plus grand chose. Hein. Il manque plus grand chose pour y arriver. Je dois faire 18 000 points si tu pourras avoir le rang S et j'approche tranquillement. Je suis un peu dans la merde. Bon. Ah, ça va vite là, ça c'est sûr.
On va peut-être utiliser le pompe en vrai contre les caisses là. Sniper. Ah zut. Mon pompe. Ah. Là, c'était pas top. T'as réussi ? Un fusil à pompe. 3, 2, allez. 1, allez ! On va faire péter le score ! Ouais, sniper tout de suite là. Salut Matt, comment tu vas? Bienvenue à toi. Bienvenue sur la fin de Resident Evil 4. Je suis en train d'essayer de faire des petits succès, la petite chasse. Alors, la taille. La taille. Striker. Ok. Bon là c'est mort. À moins que... Ah zut. Je me suis raté au niveau du feu. Il a fallu une série de succès, je dirais. Ah, écoute, on essaye, hein. Je dois reconnaître que nous t'avons peut-être. 3, 2, 1, allez! Allez, montre-leur! Ah zut! Sniper. Striker peut-être. Ça, c'est du spectacle. Ça, c'est du spectacle. Coup de triple. Sniper. Ah zut. 16 000. 16 228, bon. Je m'attendais pas à ce que tu fasses aussi bien. Peut-être que je devrais le TMP à la fin. Allez. On va faire péter le score.
Ah zut. Striker. Ok, sniper tout de suite. Bon, ok. Ça c'est du sniper ça. Je suis à combien là? Vous avez un coup, ça me tire. Ouais, je sais, je sais. J'aimerais essayer d'arriver à le choper ce 18 000. Je sais qu'il me manque pas grand chose. Hein. Tu as un don pour ça, mon ami. Les cibles disparaissent au bout d'un moment. 3, 2, 1, allez! Vas-y, Léon! Ah! Sniper tout de suite. Là, on va y aller au sniper, je pense. Ça, c'est du spectacle. Striker. Sniper tout de suite. Ça, c'est du spectacle. MP vite. Sniper. Voilà, c'est ça. Striker. Sniper tout de suite. Ah zut. Ah je me suis raté sur la fin affichée. Mais c'est pas encore les plans de tir ferme ses portes. Ah. Utilise une mitraillette si tu veux te débarrasser rapidement. 3, bon, d'abord pistolet, ça c'est sûr. Sniper. Oh, magnifique. C'était énorme. Là, on va y aller au sniper. Voilà, c'est ça. Striker. Superbe tir. Alors, on va y aller au sniper. J'attends juste que l'autre tête remonte. 8000, il me reste 10 000. Hein. Je sais, c'est pas encore gagné. TMP tout de suite avant de perdre trop de points. Et ça, ça pue. Sniper. Merde. Non.
Oh, ça c'est abusé ça. Ah, raté. Là, c'est vraiment pas de bol. Hein. Bon, je le fais une dernière fois, sinon je vais avancer. Et je pense qu'il y a peut-être encore un autre truc de champ de tir derrière. Au pire, je fais une save et je le fais de mon côté. Là, c'est le sniper tout de suite. Par là à droite. Ça, c'est du spectacle. Peut-être TMP ça. Sniper. J'ai le Black Tie d'abord. Voilà, c'est ça. Sniper. Sérieux ? Oh. Sniper, ça, obligé. Ah, 16 900. Ah, il va pas me manquer en jeu. 17 000. Tu as un don pour ça. Allez. En plus, je vais marcher pour jeune, j'ai eu tout ça. À vous. Zut. Ça ne te ressemble pas. Alors, sniper. Oh. Merde, je me suis trompé. C'était pas le bon truc, là. Bon, là c'est le striker tout de suite. Là c'est sniper. Oh, vite. Le Black Tie. Non. J'ai du mal un petit peu à la fin du truc. Là, on va se mettre là et logiquement on attend vite le... Ça, c'est du spectacle. Donc là ça va y aller, hop, à la TNT.
là. Je vais peut-être y aller au TMP un petit peu là. Sniper. Désolé, mais c'est une pénalité. Zut. Là, ça va être chiant. Et là, c'est le dernier. Ça fait combien? Ça commence à revenir là. Ça commence à revenir de 17620. C'est barré de mon siège, mais ça sert à rien. Certaines des cibles sont, ma foi. Alors, d'abord, on va y aller au piston. Allez, montre-le. Sniper. Sérieux? Alors, là, on va y aller au sniper. Là, on va y aller au TMP. Sniper. Raté. Bon. Là, ce qui est chiant, c'est que j'arrive pas à choper au début la première tête de mort. T'es là, dommage. Et là, c'est du striker tout court. Que j'aurai des petites cibles au début en plus, je me mettrais bien quoi. Ah, touché, super. Deux. Sniper. Ça, je me fais. Là, on se met tout de suite là. Bon, là on y retourne au sniper. Triple. 1500 sur 18000, c'est pas mal. Ah bon, 10 400. Ah, elle, tu l'auras pas. Striker. Et là j'y vais au black tie parce que c'est de la dernière.
Oh, je crois que je l'ai. Yes! Ah, je l'ai eu. Saloperie. Je te tiens. Eh ben, Gérard! Oh, une telle performance! Tu viens de quelle planète, toi? Tu as dû toucher une cible. Pense à te décaler. Oh, le Punisher, je suis trop. Je pensais être au... Je croyais l'avoir tout. Oh bah merde. Bon, on va rectifier ça. Ouais. J'avais pensé avoir fait. Vite. Alors je vais attendre que la cible revienne. Je vais me mettre là au cœur. Alors là, il y a un truc à faire. J'avais complètement, je pensais... Attends, attends. Alors attends, il va dans mon brain. Raté. Alors, j'ai dû louper un truc. Ok. Alors je revérifie que j'ai pas trop fait. Alors 1B. 1A, 1B, 1B, 2A, 2B, 2C, c'est bon. 3A, 3B. C'est le 3C que j'avais pas réussi. Il faut que je fasse 9000 points. Je pense que bon. 3, 2, 1. Allez. Vas-y, Léon. Remarquable. Oh, magnifique. Recharge. Attends, je crois que je me suis trompé de parcours en fait. Attends. T'es un artiste, l'ami. Oh, magnifique. Là, il faut y aller au... Pour la cible, là. Superbe tir. Ouais, c'est le moment. Je crois que je me suis trompé, tu vas voir. Le Punisher, il est bien comme pistolet. Alors, je me suis trompé de parcours. Ah bah non, c'est bon. Succès déverrouillé, terreur des fêtes foraines. Ça, c'est bien. Tu as roulé sur toutes mes épreuves. Je peux avoir un autographe. Quand tu veux, l'ami. Bien joué, Léon. Ça t'a plu? Donc là, ça fait que j'ai... En une run, 23 succès sur les 39. Et ça, ça fait plaisir. Je vais essayer de faire plus de succès sur une run. Comme ça. C'est un forum maintenant. C'est ça. Allez. Reprenons notre mission. Alors, quoi qu'il arrive ce soir, je termine le jeu. Bon, là, vous aurez... ça mettra un peu plus de temps. Ça intéressera quand même certains d'entre vous. Bon, du coup. J'ai reçu quelques nouveautés qui devraient... Sauvegarder. Alors, attends, j'ai un truc à faire. Mallette. Bienvenue. Sinon, Mad, au fait, je sais pas, toi, t'as retesté Blood Bowl 3 ou. Ou tu vas. Ou bof. J'achète tout et n'importe quoi. Bon, donne Pedro useless à useless. Et oui, c'est vrai, je vais le garder. Il va aller voir son utilité, vous comprendrez. Ah, j'ai pas retesté. J'arrive pas à m'y mettre, ça me motive pas du tout. Est-ce que c'est le jeu en état actuel ou si tu te fais pas au jeu au niveau des mécaniques et tout ça, de l'interface? Moi je m'y suis remis vite fait là, j'attends les prochaines races perso. J'ai quelques succès à faire aussi dessus. Ça permet de compenser un manque de compétences, l'ami. J'ai encore quelques petites nouveautés. Je vais revendre le LE5 là, il me sert pas. Une affaire bien conclue. La petite ferraille, je veux bien. Et un spray en plus. Tu fais des réserves au cas où. C'est une sage décision, ça. Là, je rachète aussi la mallette à fond. Elle va pas te faire tuer, hein.
Parfait, plus de pistoles, je dis oui. Alors, prochaine étape. Ah, il y a des médaillons dans le coin, ok. C'est interface, ouais, je sais pas. Ouais, je pense que c'est une question de temps. Après, le jeu, il est qu'au début, mal, faut s'habituer. Moi, j'ai eu du mal aussi, hein, tu vois. Après, tu vois, Blood Bowl 3, par rapport à Blood Bowl 2, je joue à la manette. Alors, il y a un médaillon là, donc ça veut dire qu'il y en a 5 autres. Et de 1. Et il y a des trésors ici, regardez. Petit enfoiré. Ouais, on fait au mieux. À la minute, je pourrais pas vous aider. Ah, il faut que je revoie pourquoi ça me fait toujours ça, ce truc-là. Alors, il me dit qu'il y a un trésor là. Alors. T'es où, mon petit? Est-ce qu'il y a quelque chose là? Vous le voyez, ce foutu trésor ou cette foutue lanterne? Tu vois que c'est en bas. Je vais pas lâcher ces foutus trésors, hein, non. J'aimerais bien faire le succès de tous les trésors aussi sur cette run. C'est pas là. Il est pas là le trésor, non. J'espère qu'ils l'ont mis en hauteur pour pas que je le voie. Donc là, il faudra revenir ici. Si vous me dites... Ah, merde alors. Putain, fallait le voir. La lanterne, là, vous voyez. Joli. Bah, c'est ça que je cherche. C'était un des trésors qui me disait qu'il était là. Bon, je l'ai eu. En fait, si tu veux, ils ont mis des trucs de trésors, tu vois, dans tout le jeu. Il y a, bah, sur les trois parties du jeu, donc le village, le château, puis l'île. Et des fois, c'est bien planqué. Déjà, je vais me refaire. Sinon, Matt, t'avais déjà joué à Resident Evil au 4 ou pas? Jamais, ni un ni l'autre. C'est pas ton style. Wow. Saleté de la gasse.
la poudre. C'est pas tourné aussi, mais à l'époque c'était pour sur console, mais sur PC, du coup tu... c'est une licence que j'ai connue que de nom, ouais. Ouais, tu... je peux comprendre. Ou des caisses. Ah ouais, faut pas que j'oublie les médaillons aussi pour le succès de toutes les... pour ça. Et de 3. Donc là, faut que je retourne. Salopard. Ouais, un petit suplex pour te calmer. Oh non, 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 tu vas rester comme t'étais, bien comme t'es. Merci. Donc là, en gros, hein, si tu as suivi un peu l'histoire de Resident Evil, on est en 2004, 6 ans après l'accident de Raccoon City. C'est comme Tomb Raider, je connais deux noms parce que c'est un jeu console au départ, ouais. Alors qu'il est là-dedans. Tiens, un bracelet en or. Ah non, je suis zéro avec l'histoire, ok. Bon là, en gros, on est 6 ans après l'incident de Raccoon City, je te le refais vite fait. Avec les zombies, tout ça, bombe thermonucléaire sur Raccoon City. Et là, on est en 2004, avec Léon qui a fait Raccoon City à l'époque. Et en gros, il doit sauver la fille du président que tu vois là, qui s'appelle Ashley Graham, et il l'a ramené aux États-Unis. Et il y a une secte à dégommer qui s'appelle Los Illuminados. Voilà, c'est la version courte. Ouais, si tu veux la version plus détaillée, je t'apprendrai pas qu'il y a YouTube et d'autres streamers Twitch par rapport au Lord de RE4. Et je me permettrai pas cela. Oui, oui, bah t'as... Bah, même encore plus de pression, je te dirai rien. Et attends une minute. Elle me dit qu'il y a un, il me dit qu'il y a un autre médaillon là. Tu vois qu'il est dans, ils l'ont foutu en hauteur. Ah bah oui, je me disais bien. Parfait, les 5 médaillons c'est fait. Eh mais on arrive bientôt au bout des requêtes, il nous en reste encore 3. Donc ça fait 16 sur 19. J'avais fait le compte une fois. Alors qu'est-ce qu'on a de beau là? Ah non, non. Je viens voir parce que t'es là, mais moi j'irai pas le faire. Alors toi, comment on va t'avoir? Je sais comment je vais t'avoir. Oh, qu'il se change pas. Il y a une porte là. Non, il faudra revenir faire le tour. Très bien. Je me souviens un peu de ce passage là dans la fonderie. Il est au-dessus de moi, c'est ça ? À gauche, en haut. À gauche. Bien vu, Mad. C'est bien.
Ouais, mais tu vois, c'est subtil là, dans les coins. Donc là, on en a 13 sur 24, on en est à la moitié. Ouais, des fois, il en faut un, tiens. D'ailleurs, là, en parlant de projet après Resident Evil 4, moi perso, j'ai terminé la campagne de Blood Bowl 3. Parce qu'il y avait des succès ne marchaient pas, je crois qu'il y en a encore qui marchent toujours pas, j'ai vérifié. J'ai terminé cette campagne, après il y aura les campagnes d'Edge of 2 là, avec le nouveau DLC. Et après, on verra. Hein. Déjà. Ah, ok, j'ai compris. Il va falloir cacher là, le maintien pendant que je progresse. Le pistolet. Le noir. Cette as. J'aime bien cette idée de combinaison là. Oh, donc là, non, c'est pas la bonne. Et je suis sûr qu'on peut refaire le tour là. Ah putain, parce que je suis sorti, elle m'a suivi. Merde. On reprend. Le dernier jeu là que j'ai rentré à 100%, c'était. C'était pas Dead Island, je sais plus. Non, je crois que c'était Dead Island. Attends que je me refasse la définitive édition aussi à l'occasion. Donc là, logiquement, je passe là. Là, il y a un couloir pour ouvrir la porte de derrière. Voilà, et hop. Et la blonde qui sert à rien. Salopard. Bah là. Ouh là là. Bien joué ça. Bien. Bah écoute, moi je la trouve perso pour avoir joué à l'original et avoir terminé en professionnel juste avant. Ah non, c'était Resident Evil 4, le dernier que j'ai fini. Elle, franchement, je la trouve. Je trouve que cette Ashley dans ce remake est meilleure que l'Ashley du jeu original. Après, c'est mon avis. Parfait, d'autres balles de fusil, ça fera pas de mal. D'autres balles de fusil, ça sera encore mieux. Donc là, à chaque fois, je me fais avoir. J'ai pas l'habitude encore avec le remake, comme c'est la première fois que je le fais en. Je fais la campagne, tu vois. Donc là, il faut que je passe par. Par contre, je suis un peu dégoûté, j'ai plus de balles de magnum. Et contre certains boss, ça peut avoir son utilité le magnum. Waouh! Oui, je m'appelle Geralt. Évidemment, une tête de Plagaz. Merci. Où est-ce que tu vas? Bah, c'est là qu'il faut aller. À mon avis, tu peux revenir en arrière à un moment. Ah, les suplexes. Ça c'est chiant. Bon, je vais récupérer tout l'équipement possible parce que bon, là le petit reproche que je peux faire au remake, c'est qu'à la fin il n'y a que des quasiment que des grandes ferrailles. Donc c'est pas vraiment pratique, je trouve. Les grandes ferrailles, ça sert à fabriquer tout ce qui est grosses munitions, genre. Ça s'appelle. Balles de fusil à lunettes, mitraille, donc TMP et tout ça.
Magnum, je crois que c'est beaucoup. C'est petite ferraille et grande munition. Ok. Ok, va falloir y aller. Bonjour l'odeur. Tu tiens quoi? Ouais, même si avant, ça m'aurait tué. Alors là, il n'y a rien. Ah, c'est une émeraude. C'est le 14e trésor, il ne reste plus que 10 sur cette île. Ah, je me rappelle de ce... ça me dit quelque chose, ça. On y va au même moment, d'accord? Compris. Parfait. Et voilà. Oula. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Reste ici. Compris. Évidemment, putain. Je sais ce qui. Je me dis ce qui va me tomber dessus. Oh non, pas lui. Ne me dis pas qu'il y en a un là. Je suis quasi sûr de ce qui m'attend. Wow, 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 wow. Recule. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? Qu'est-ce qui... Oh putain! Aïe, 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 je vois rien. Je recule, je recule. Oh, tu dégages. Vite, recule, recule. C'était un Regenadores amélioré. T'es pas blessé, j'espère. Non, je vais bien. Mais là, en fait, c'est la lunette thermique. M'a déjà eu besoin de cette lunette thermique pour localiser ces plagas en dessus que je visais depuis tout à l'heure. Bon, on l'a eu, c'est le plus important. Ouais, ouais, la lunette... Et attends, Mad, je vais te dire un truc, il y a un succès. Écoute tout bien, faire la run, pistolet et couteau uniquement. Bon, on y va au même moment. Ok, d'accord. Ah, raté. C'est pas grave, on réessaie. Ça va marcher. Bien. Impec. Alors, je te laisse imaginer un pistolet. Genre, mon pistolet, le raid 9, c'est quand ça passe. La décharge. On a à peine la run du Rainbow. Il y a une catégorie speedrun, effectivement. Ah, il y a des rats dégommés ici. Il n'y a pas de courant, donc il faut remettre le courant. Ah, il y a un rat de l'autre côté, vas-y. Pas de problème, laisse faire l'experte. Ouais, ouais, l'experte. Je vois mon fusil à pompe à fond. Je sens que ça il va y avoir une merde encore. Bon, on va voir le positif, on récupère des balles de pistolet. Donc lui il est dead. Il est naze, je veux dire il est daze, oui. Il n'y a pas d'Ascar. Hein.
Oui, je m'excuse pour cette blague de merde, je sors. Ah, il y a du trésor là. Il a le trésor. Oh, un colis orné. Donc là, ça fait 15. Il n'y a rien dedans. J'entends pas de rat. Il faut en tuer 4. On en a déjà eu 2. Il y a un truc là au-dessus de moi, c'est ça? Un rubis. Bah attends, on va faire du craft, on peut se le permettre. Alors, ça va nous demander 2 joyaux. Et... Ok. Merci, Mad. Je fais au mieux. ,400, tu craches pas dessus. Troisième rail, il en reste plus qu'un à trouver. Une herbe verte. Tu vois qu'il y aura une énigme avec le courant. Un poisson qui peut soigner, oui. Oui, le poisson, ça sert à se soigner, messieurs, dames. Oh putain de merde. Puis tu fais au niveau des kidnappings, c'est ça. Waouh, je l'avais pas vu lui. Oh putain. Il va pas me lâcher hein. Alors attends, il faut que je me débarrasse de lui alors. Non, 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 non. Merde, j'ai shooté. Bon. Ça, c'est fait. Alors, attends, est-ce que j'ai eu mon... J'ai eu le tour une fois avec mes trésors. Ça m'avait... Parfait. Bon. Faut vite que je dégage le Regina de Ress alors. Il était là, cet enfoculé. Oh non. On va peut-être s'éloigner alors.
Putain, je vois rien, saloperie. Ouais. Mais comment tu veux que je me foute? Waouh, mais il m'a bloqué dans un coin, ce connard. Vite, 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 attention. Vous connaissez l'effet porte qui pique, c'est... Eh ben. On l'a eu. Bah tiens, le poisson, il va me soigner. Oui, on ne sait pas sa provenance. Hein. Je sais très bien ce que vous allez me dire. Et là, il faut que je reparte. Ça va, j'ai encore 40 balles. J'espère qu'il n'y aura pas encore 50 000 Regina adorés ça jusqu'à la fin du jeu. Bon, ça fait toujours encore. Ça fait deux. Encore deux trucs à faire. Ah, la quête du courant. Alors, le courant, il n'y en a qu'un. Ok. Le 3, alors. Ok, il y en a un de frais déjà. Sur 4, c'est bon. Le 2, ça colle. Enfin, ça a l'air. Ah, je me demande si les énigmes ne changent pas selon le niveau de difficulté. Ça, ça pourrait se tenir, tu me diras. De caisse, allez hop. Et je peux recrafter des balles de fusil en plus. Bah vas-y. Hein. Parfait. Oh non! Est-ce que c'est ce que je crois? Restez loin de moi, sale bête. Des plagas. Et c'est pas joli quand ça contrôle quelqu'un, croyez-moi. Une requête? Deux requêtes, petit. Aïe. Pas mal du tout, l'ami. En quoi puis-je t'être utile? Donc là, déjà, je suis à 59 000. Oh, je suis prêt à payer un bon prix pour ça. Je vais améliorer ma lame. C'est du bon travail. Mon gilet avec, et je vais m'acheter le Killer 7, c'est un autre magnum. Il y a un petit clin d'œil de la part de Capcom pour cette arme. En fait, j'ai découvert récemment dans une vidéo. Le Killer 7, en fait, c'est le nom d'un autre jeu qui a été édité par Capcom, pour ceux qui auraient peut-être connu à l'époque. À ton argent ou à voilà la petite anecdote. Tu fais des réserves au cas où, c'est une sage décision, ça. Alors on a quoi? Des bleus velours, la crosse du Matilda, le viseur laser. Tu veux savoir où on a déniché ces merveilles? Il vaut mieux pas que tu le saches. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Reviens quand. Alors est-ce que je peux pas modifier mon fusil à lunettes encore? Mon fusil à pompe il est à fond, mon Red 9 il est à fond. De bonne main. Tu peux me faire confiance. Allez. Chargement amélioré encore. Ça vient cerner tes goûts. Fais bonne route. Et normalement, il n'y a plus rien. À part de la poudre noire.
Donc là, au niveau des choses, et puis les armes que j'ai pas achetées dans le jeu encore, c'était le Black Tie, le Striker et Killer 7. Il y a un succès, alors c'est sur le long terme, hein, bien sûr, tu peux pas le faire sur une run. C'est collectionner toutes les armes, je crois qu'il y en a 27 ou 29. Ah tiens, je vais vous dire ça tout de suite. Donc là, il y a plusieurs choses qui se font, là déjà. En une run, j'ai plus de 66 défis de fait. Détruire toutes les cibles sauf les marins sans rater un seul tir au cours d'une épreuve de tir. Ça, c'est compliqué. Ça peut être faisable sur les premières. Où est-ce qu'elle est? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. Non, c'est pas l'Illumine Trésor, c'est. Petite révolution, non, c'est pas ça. Tous les éléments d'un collectionneur d'armes, 20 armes sur 29. Donc là, ça veut dire qu'on en a encore 3. Tu voudras, étranger. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que j'ai avant que je redescende? Non, on est bon. Je vais faire une grenade aveuglante dans le doute. C'est toujours utile ça, vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a? On est où? Ah, elle est là. Ouais. Laisse-moi deviner, il va falloir utiliser ça. Léon! Regarde. C'est l'ascenseur? Si on pouvait détruire ce mur. Oh, mais on peut le détruire. Alors, j'ai déjà me préparé parce qu'à mon avis, j'ai vu des coffres, c'est qu'il y a une raison. Ouais, des coffres. Des caisses. Alors, où est-ce qu'elles étaient? Voilà. Donc, on va faire un peu le tour. Les caisses, il y en a deux là. Que de la grande ferraille, hein. Sérieusement, les gars. Je vais recrafter quand même des balles pour mon pistolet. Parfait. Donc là, c'est fait. Je fais quand même le tour du proprio avant de lancer parce que, à mon avis, il va y avoir du peuple à buter. Bon, je pense que c'est parti, hein. De démolition. Laisse-moi ça. Attends. Oh, c'est la première fois qu'Ashley a envie de démolir des trucs. T'es sérieuse? Ok. C'est ça qu'on vous apprend à la fac maintenant? Tu es au courant des dernières réformes? Ouais, ça serait dommage, Léon, de te faire en papa outé. Voilà. Ding. Bon. Ça c'est fait. Je m'occupe d'eux. Okay. C'est parti pour le show. Un nouvel ennemi, ça. Parfait. Oh.
Mais je le dis depuis tout à l'heure, ce connard là. Oh. Tu commences à me saouler, toi. Oh là là, ça va être le carnage encore. On est marre de ces saloperies de la gaz là. Ouais, je me disais bien qu'il y en avait encore des caisses là. Attends, j'en fais des caisses encore, hein, bien sûr. Hein. Si c'est une raclée que vous voulez, je veux bien vous rendre service. La troupe s'est agrandie. On y est prêt. Ça me plaît pas trop cool. Parce que là, c'était un lance-roquette. Agonise bien. Oh non! Eh ben, j'ai bien fait de concocter une nouvelle grenade. Je vais peut-être en concocter une deuxième dans le doute. Et je me refais du pistolet. Ok. Je crois qu'on a fait. Eh, eh, attention, Ashley, s'il te plaît. Mais c'est pas possible d'être aussi casse-couille ça. Waouh, ok. Ok. Il est sûr de pas revenir. Attends. Allez ma grande. Voilà. Qui a dit que les femmes ne pouvaient pas faire des métiers de chantier, hein, sans déconner. Bravo, je l'ai GG. Et attends, il y avait une autre grenade aveuglante quoi. Ah bah oui. Ouais, là, franchement, t'as assuré. J'ai trop assuré. Je crois que t'as trouvé ta vocation. Alors, certains ont aperçu ce qui ressemble à un étrange cadavre. Probablement le résultat d'une expérience. Quelqu'un pourrait-il mettre fin à son existence pathétique et lui offrir le repos éternel, la bonne incubation. Putain. Limbo d'incubation. On va faire peut-être avancer alors. Je ne lis pas de labo d'incubation. Là, je. Il va falloir redescendre, c'est ça? Bon, écoute. Hein. Qu'est-ce qu'il faut? Ah, bah, justement, regardez si je suis con. Regardez. C'était la porte de tout à l'heure. Donc là, si je fais ça, je vais vite au labo. Ouais, ouais, ça va se faire. Encore des balles de fusil. Un petit soin, j'ai encore deux soins, je suis bien.
N'oublie pas qu'arme à feu. La petite ferraille encore. Rime avec jeu, étrange. Est-ce que j'ai de la poudre pour échanger? Alors, qu'est-ce que tu cherches? Une autre fois peut-être. Ouais, on va aller s'occuper de cette chose. Donc, ça, ok, je comprenais. Parce que je me souviens d'avoir affronté pas mal de ces saloperies de Reginador. Tiens, le Alien Darkness a un gameplay intéressant. Et ça, il est sorti. Enfin, j'ai pas suivi. Je t'avoue que les jeux Alien, c'est pas trop mon truc. Bon, je vais être prudent vu qu'il y a une cochonnerie. Reste ici. Ok. Je fais le pari que c'est un Reginador évolué. Celui avec les pics là, vous voyez. Bah tiens. Bon, on va viser celui de la tête déjà. C'est parti. Ok. On en a encore bien. Il en reste deux à battre, but 1. Ah, le dernier, il faut vite le fumer. Recule, recule, recule. Les pics, ça fait mal. Bon bah, mission accomplie. J'ai oublié aucun trésor, on est d'accord. Bon, on l'a eu, c'est le plus important. Je les aime pas ces Reginators là, enfin même les Reginators basiques. Hein. C'est de la cochonnerie. Donc une fois que vous avez la lunette et beaucoup de munitions de fusil, vous êtes bien quoi. Moi ce que je vous conseille de faire si vous faites le jeu un jour, essayez de préparer pas mal de munitions de fusil pour la dernière l'île quand vous êtes au château. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bon, là, je peux pas acheter grand-chose. Il me reste des jetons, en fait, ou pas? Non, je n'en ai plus. Reviens quand tu veux, surtout. Est-ce que je vais faire dans le doute? Je vais faire une sauvegarde ici. Et une sauvegarde là. Parfait. Et là, le cas, faudra se tiens, je peux représenter. Enfin, je me remets aussi à Battle Brothers, tiens, parce que j'ai une autre série à faire. J'ai vu, avec les barbares du Nord. Bon. L'ascenseur arrive. J'ai encore des petites grenades et tout. Il est vraiment classe le Red 9. Quand je le vois, il me fait penser un peu au Mother allemand. Je pense que ceux qui s'y connaissent un peu. Quand tu veux. On vérifie qu'on n'a rien oublié. Non, on a tout là, c'est bien. Tu sais, je me disais, on forme une bonne équipe, non? Sans doute, oui. Peut-être qu'un jour je deviendrai un agent comme toi. Qu'est-ce que t'en penses? On pourrait protéger notre pays contre nous. Oh, les motifs. Au moins, le choix de l'otage là ennuyante. Enfin, pour ça, il faut déjà qu'on sorte vivant d'ici. Tu m'étonnes. T'es pas drôle. Il est pas drôle, il est réaliste. Là, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a des choses là? Non. Il n'y a rien du tout. Donc là, on s'approche.
transport de l'ombre. J'insiste sur le fait que vous devez faire preuve d'une extrême prudence lors du transport des dépôts d'ombre provenant des sous-sols du château. Travaillez avec le plus grand respect et la plus grande obéissance. Il est impératif que vous ne perdiez pied, pas le sommeil du cœur sacré. D'accord. Ok, on a deux petits trésors à trouver. Et j'entends déjà un petit balancement. Comme ça, par exemple. C'est sûrement ça dont Louise parlait. Ouais. Donc là, on en est à 15. Ok. Donc c'était ça, la fameuse ombre. Bon. Avant d'y toucher, je pense qu'on va essayer de faire un peu de choses autour. Munitions de pistolet et de fusil. Un minerai de cristal. C'est un trésor apparemment. Alors, rapport sur l'espèce supérieure. Très cher Lord Sadler, j'ai l'immense plaisir de vous informer que la production de l'espèce supérieure des Plagas est officiellement en cours. Si tout se passe comme prévu, soyez certains que nous atteindrons notre but ultime. Le Plaga est un organisme absolument fantastique. Il a la capacité de vivre dans n'importe quel vertébré, qu'il s'agisse d'un humain, d'un chien ou même d'un corbeau. Ce parasite est unique au monde. L'espèce supérieure est particulièrement impressionnante car elle peut s'intégrer dans son hôte sans endommager le cerveau. Personne ne peut s'opposer à votre domination. Mais d'ailleurs, qui sera assez fou pour résister après avoir goûté à la joie absolue qui accompagne l'absence de libre arbitre? J'en suis la preuve vivante. Autrefois, je n'étais qu'une idiote. Dans quelques jours, j'aurai fini d'administrer le plagat à tous les chercheurs de haut rang. Bientôt, ils le seront. Et lorsque nous aurons accompli votre plan, le monde entier sera. Annabelle Garcia Escudero, chercheuse principale. Bah, c'est celle que le chercheur de tout à l'heure parlait dans ce truc. Bon, bah 16, hein. Alors je crois que, alors je sais pas si c'est la fin du chapitre, mais je pense qu'à la fin du chapitre, je ferai une petite pause vite fait, discuter de 2-3 minutes et après je reviens. Terminé ce soir. J'espère que ça vous embête pas le temps 2, j'ai des petites choses à faire. Prosternez-vous. Ceci est notre corps sacré. Qui es-tu toi? Notre divine providence est bientôt une profonde bénédiction pour tous. Las Plagas. Bienvenue, mes enfants. Je suis Osmond Sadler, le prophète de notre Dieu. Qu'est-ce que tu veux que ça nous foute? Pauvres imbéciles. Pourquoi refusez-vous la grâce? Wow, ok. Allez, abandonne ton corps. Obéis. Obéis à la voix du Seigneur. Non. Arrêtez. Non. Wow. Solution. Mon enfant ne résiste pas. Putain. Eh ben. Seigneur, pardonne à ces pécheurs. Mon fidèle disciple t'infligera ta pénitence. Ton fidèle disciple. Mon enfant, tu n'as rien à craindre. Soumets ton corps et libère-toi de cette peur. Ouais.
Quel enfer, c'est ce parasite. Je le trouve vraiment plus vénère que dans l'original, hein, dans le R4 original. Ah non, c'est pas encore terminé le chapitre. Ok. Ok, ok. Bon. €60 kidnapping, c'est ça. 60e ou €60 kidnapping. Donc il y a un trésor là, ok. Et attends. Parfait, l'archer au moins. J'avais compris 60 euros MDR, c'est une barrière, t'imagines? A kidnappé pour 60 balles. Ah, tiens là, toi. Écoute, tu sais quoi? Plus de balles de pistolet, ça fera pas de mal. Recule. Bon, oh, bah écoute. Oh non, faut donner ça. Il y a un fer d'Ashley. Vous entendez le petit bruit mécanique? Je crois ça. Je sais ce que c'est. Je le vois d'ici. Le 14e shot la mécanique sur 16. C'est en gros, c'est des petites figurines. Alors, développement des défenses. Comme vous l'aviez demandé, le réaménagement de l'île est bien engagé. Des armes et autres équipements défensifs ont été installés pour empêcher toute intrusion venue de l'extérieur. Lorsque nous aurons terminé, l'île sera une forteresse géante. Ces défenses ne tiendront pas sur le long terme, mais elles devraient suffire pour l'exécution de notre plan. Grâce à elles, nous serons plus proches jamais de notre but final de domination du monde. Personne ne pourra résister à cette puissance. Jack Krauser. Le fameux Jack. Ça me donne envie d'aller faire Fallout 7. C'est vrai qu'il y a un expert de Fallout, mais il y a un petit côté, ouais, un peu désolé, tout ça. Post-nucléaire, je sais pas, mais... Alors... Franchement, ce remake est une masterclass. Ouais. Oui, métal rouillé, flap dégueu, de la terre, etc., etc. Tiens, tiens. Oh, une grande barre d'or. Le 17e trésor. Munition de mitraille, bon, ça va pas me servir. Attends, j'ai récupéré des munitions de pompe tout à l'heure, j'avais pas oublié ça. Tu vois, je peux refabriquer d'autres munitions de pompe, vas-y. Hein. Parfait. 12 balles de pompe, tu craches pas dessus là. Je vais refaire un tour vite fait si j'ai rien oublié. Je vous fais. Alors, c'est quoi ça? Ok, ça me ramène par là. Non, on va avancer, non? On part ça, ça de faire du métro pour cette zone. Il faut tout dans un monde, les gars. Ça. Je vais garder mon soin, là, pour l'instant. Des plaques militaires. Dossier. Opération Ravir. Peu de gens en ont entendu parler, même parmi les hautes sphères du gouvernement américain. Et bien évidemment, cette opération n'a jamais été rendue publique, elle a été conduite en secret avant d'être enterrée. Pour quelle raison? Tout simplement car elle était trop inhumaine. Tout a commencé en 2002 lorsqu'une petite unité des forces spéciales américaines a été envoyée pour infiltrer une zone d'Amérique du Sud. Leur mission était d'éradiquer les cartels de la drogue. Il a fallu plusieurs années pour préparer cette opération, et seuls les soldats les plus émérites ont été sélectionnés pour y participer.
Je ne sais pas si la mission était un échec, mais ce que je sais, ce qui est arrivé à ces soldats d'élite une fois la mission terminée. Apparemment, l'unité tout entière a été anéantie à l'exception du commandant, le major, et pas les cartels, mais pour les États-Unis. Mais pour les États-Unis. Bon, je pense que c'est Krauser. Hein. Extraire une simple unité ne devrait pas relever de l'impossible. Un seul hélicoptère aurait suffi, mais pour une raison obscure, l'armée n'a rien fait. D'aucuns disent que cette décision résulte d'une lutte de pouvoir au sein des hauts-gradés. Selon d'autres rumeurs, il s'agirait plutôt d'un ordre de l'ancien président en personne. Malheureusement, l'affaire ayant été étouffée, nous ne connaîtrons peut-être jamais la vérité. Mais je suis certain d'une chose, le gouvernement américain a laissé ces gens mourir. De courageux jeunes gens qui ont donné leur vie pour protéger leur pays. Je veux dénoncer ce crime, non pas parce que c'est ma responsabilité de journaliste, mais parce que c'est mon devoir en tant que citoyen américain. Ce document concerne l'opération Javier qui a été décrit par un journaliste américain du nom de... Cet article ne sera jamais publié. Nous sommes occupés de... I am waiting. Photo de Lyon, je t'attends. Bon. Poudre noire. Je te félicite d'être arrivé jusqu'ici, le bleu. J'ai préparé un champ de bataille un peu plus loin, rien que pour toi et moi. Plusieurs générations l'ont imprégné de leur sang au cours des siècles. C'est l'endroit parfait pour mettre fin à ce qui s'est passé. Je vais voir la tête sur un peu sur la stage tout débito, qui était au cochon. Bah merci Mad. Merci d'être passé, bonne soirée, et puis bon, bon stream sur d'autres chaînes. Et bon spectating. Enlèvement de la chélégramme. Phase 1, quitter le campus avec la cible. Escorte la cible comme d'habitude jusqu'au début de la phase 2. Trois autres personnes devront être dans le véhicule, y compris Baker. L'unité d'Abel vous suivra à bord du véhicule, conduisant en empruntant votre route habituelle. Phase 2. Arrêtez le véhicule en prétextant un problème de moteur. Transférez la cible vers le véhicule d'Abel. Phase 3. Unité Abel changera de route. Assommez et attachez la cible. Mettez la cible dans un grand conteneur. Phase 4. Unité de Baker fera diversion. L'unité d'Henri s'introduira dans la base de données de l'organisme en charge d'enquête et désactivera leur réseau. Phase 5, rendez-vous au point K9 et chargez la cargaison sur le bateau. Ok. Wow. Merde, j'ai loupé des munitions de pistolet, sérieux. Ah bah oui. Oh, 15 balles en plus. Alors là, j'en... 15 balles de raid 9, c'est tout l'or du monde hein, avec ce pistolet. Oh lolo. Ouh, toi tu dégages l'odeur du combat, l'ami. Donc là, à mon avis, le combat contre Krasor va sonner la fin du chapitre 14. C'est comme... Ça semblerait logique, tu me diras. Parce que dans l'original, c'était comme ça. En vrai, je me demande s'il n'y a pas un truc à faire de cumuler plusieurs bonus là. Ah, tu peux en mettre qu'un. Alors. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que tu Oh, ça c'est de là déjà 29 000 Une balles. Affaire bien conclue. Alors mon couteau, je vais arrêter de l'améliorer pour l'instant. Rien plus facile. Je te souhaite bonne chance. On commence à bien cerner tes goûts, étranger. Reviens quand tu seras en mesure de payer, l'ami. Pas mal. Est-ce que je te reviens quand bon. Tu veux, surtout. Écoute, on va affronter, c'est sûrement Krauser le prochain objectif. Y a pas de trésor, hein, j'ai l'impression. Non, ils en ont pas mis, heureusement. Pour l'instant. J'ai rien oublié. Tac, 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 tac. Non, il va falloir y aller. Ah.
fait attendre. Le bleu. Ah, oh, tu t'inquiètes pour la fille, c'est ça. Ça te ressemble bien. T'as toujours manqué de discernement. Mais si tu crois que je vais te laisser sortir d'ici vivant, t'es encore plus naïf que je le pensais. Tu peux pas la sauver. Tu ne peux sauver personne. Laisse tomber, Krauser. Être le larbin de ces cinglés, ça ramènera pas tes hommes. Et tout ça pourquoi? Te venger du gouvernement? Tu crois que c'est ce qu'il voudrait? Me venger? Parce que tu crois vraiment que je fais tout ça pour me venger? C'est l'impression que ça donne. Tu vois, dans cette jungle, j'ai eu une révélation. La chose la plus importante dans ce monde, c'est la plus pure et la plus absolue puissance. Les Illuminatos m'ont donné ça. T'as toujours été un connard. Mais au moins, t'avais quelques principes. T'avais de l'honneur. Regarde-toi maintenant. Arrête, tu vas me faire pleurer. Prépare-toi à te battre, soldat. J'en rêvais de s'affronter contre Krauser. Qu'est-ce qu'il y a? Sois sans pitié. Attention dans le dos. Tu veux que j'attaque en premier? Tu es lent. Et qu'est-ce que tu... Ok. Tu ferais mieux de te dépêcher. Qui sait ce qui... Un scarabée rhinocéros. C'est quoi ça, scarabée rhinocéros? Un insecte rare venant d'un de ces non comestibles. Il peut toutefois être revendu à un prix élevé. Eh ben écoute. Alors, je peux pas aller par là, ok. Je descends alors. Non? Attends. Ah. Ok, il y a un truc là, il y a des cils. Ça veut dire qu'il y a des choses à faire. Caisse jaune. Petite ferraille. Allez, encore plus de balles de pistolet. Une herbe verte. Bah, tu sais quoi, va me soigner tout de suite. Et là, on est bien. Et là, il va me tomber dessus, cet enfoiré. Il est capable, non? Connaissant la psychologie de Krauser un petit peu. Tu te souviens de ce combat dans la jungle? On avait bien failli y rester. Oh putain, c'est quoi ça? Suis ton instinct, ne pense pas. C'est la première chose que tu m'as apprise. Bon bah on va avancer hein. L'endroit est truffé de pièges. J'ai pas l'avantage ici. Ah bon? T'en blagues. Ok. Ça ou pas? Alors, logiquement, la mine, elle est là. Oh oh. Bah, il y a un truc subtil à faire. Je l'ai pas vu, merde. Putain, même les pièges à orge. Putain, ah ouais, il a mis la totale, effectivement.
Oh. Hop. Je m'y connais pas mal en tactique de guérilla. Tu te souviens? Comment je pourrais oublier? J'ai pas le choix, faut que j'avance comme ça. Merde, j'ai loupé le truc. Ok, on est sur la bonne voie, on est sur la bonne voie. J'avais pas vu ça de près. Attention. Rien de tel qu'une bonne chance. Toujours vivant, hein? T'as de la chance. Il y a une herbe, il y a ça. Ok. Alors, Major. T'as le pognon que je me fais là sur cette run. Oh. Ok, je t'ai vu. Le fait que t'aies survécu jusqu'à présent mérite d'être salué. Je serais mort depuis longtemps si j'avais écouté des mecs comme toi. La pêcheuse vient pour les lâches. Je l'avais vu, je crois. Que bonne question. Je lui demanderai quand je la verrai. T'es vraiment donné à fond pour moi. T'aurais pas lu. Il fallait quand même bien que je te réserve un traitement de faveur, non? Bien joué ça. Heureusement, je l'absorbe. Hein. C'est par là. Ah, je me suis pas mis assez planqué, merde. Bon, mon gilet, il est down. Ah oui, mais ça va. Ouais, je te dérange pas, Major. Hop, on s'ajoute des mines. On a un spray. Hop. C'est fini, soldat. Waouh, waouh, waouh. Ah ouais, il m'a bien eu, enfin, ce connard. Tu perds ton sang-froid. Tu fais tes séries. Ok. Petit jeu marche pas sur moi. Attention derrière. Tu peux pas faire une pause? Moi, doit te faire horriblement mal. Pour oublier une pleure ancienne, rien de tel que d'en ouvrir une nouvelle. C'est vraiment ce que tu veux? Il n'est pas trop tard! Toi et moi, on est les deux faces d'une même pièce! Ce qui veut dire qu'on aura ça avec la même pièce! Oh, je crois que lui, il a pas trop aimé, hein! Ok. T'as fini, Krauser? Je te l'ai déjà dit et répété.
maintes fois. Qu'est-ce que... Ouais, ah ok, d'accord. T'as pas le droit de faire ce qui est nécessaire. C'est la différence entre toi et moi, le bleu. Bon bah là j'ai même pas eu le temps de récupérer ce qu'il y avait dans les caisses, tant pis. Il est temps d'achever ton entraînement. Ok. Ma puissance. T'as complètement pété les plans, Krauser. Oh. Il est dans mon dos. C'est ça ta vraie puissance? À ta place, je me ferai rembourser. Tu vas. Félicitations pour avoir trouvé la foi. La foi est pour les faibles. Il y avait une herbe jaune là, toi. De toute façon, tant pis, je vais la laisser. Voilà. J'ai hâte de te voir souffrir. C'est ce qu'on va voir. Ok. L'entraînement n'est pas fini. Ta dernière leçon commence maintenant. Non. C'est l'élève qui va corriger le maître. Oh, je te trouve bien confiant. Amène-toi. Ok. Est-ce que tu es prêt? Attention. Ouais, il va falloir être très prudent. Je savais bien que tu arriverais jusqu'ici. Ok, il y a un bouclier. Mais j'en attendais pas moins venant de toi. Je vais vite. Après tout, je suis le mieux placé. Ok, enfoiré. Quel dommage que tu ne puisses pas voir la vérité. Espères-tu pouvoir combattre dans ce corps primitif jusqu'à la fin de l'action? Moi aussi, j'aurais dit ça. J'aurais donc d'arrêter de vivre dans le passé. Il me reste un spray tout de suite. Hop, je descends. Ah, ça c'est bien joué, j'ai pas été prudent. Alors. J'ai plus de poudre. J'y vais au pont. Ok. Continue comme ça, et il n'y aura plus grand chose à protéger. Tu l'aurais su autrefois. Wow. C'est là que tu te trompes. Je ne savais absolument rien. Merci. Tu ne peux pas nier cette puissance. Imagine
Mon dernier soin. Ok. Je crois que tu délires là. Tu veux toujours avoir le dernier mot. Viens là. Je vais te faire taire une fois pour toutes. Amène-toi le. Ouais, c'est bon. On a tout envoyé là. C'est le couteau militaire de Krauser, ouais. Dommage que le couteau soit toujours aussi propre. Ah non, ça, c'est pas sûr, Major. Ça, c'est sûr. Bon. Couteau militaire. Bon, en principe, j'ai rien loupé. Bon, couteau de botte, je m'en fous. Bon, bah, je pense qu'on va avancer. Hein. Je pense que c'est la fin du chapitre 14 avec la mort du Major. Et du coup, ça nous fait 24 succès sur les 39 jusqu'à présent. Ouais, bah ça reste petit à petit les succès. Hein. J'aime pas comment, j'aime bien comment ils ouvrent sur le corps de Krauser. Est-ce qu'il est encore vivant? Je sais que dans Separate Ways, c'était pas le cas. Est-ce que c'est fait exprès? Je pense. Et c'est la fin du chapitre 14. J'espère que ça vous a plu. Donc on va regarder vite fait. No. Merde, j'ai lancé le chapitre 15. Bon. J'espère que ça vous a plu. Et on se dit à la prochaine.